Bonjour à tous et bonjour à toutes, ici Fofan du 85 et je sais, ça faisait un long moment que j'avais promis de faire DMC3, l'histoire de Virgile. Ben, je vais enfin me rattraper, je vais enfin vous le faire. Parce que tout simplement, en fait, depuis quelques temps, j'avais perdu l'objectif de faire DMC. Puis, je me suis finalement décidé à me ressortir les doigts du cul et de vous faire DMC3 avec le mode Virgile. Alors, le mode Virgile, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport au mode Dante que je vous ai présenté? Il y a presque l'équivalent à l'époque de cette vidéo. On est en août, lors du tournage. Attendez, je reviens tout de suite. Non, c'est toujours dans contenu, mais c'est dans playlist, excusez-moi. Je l'ai skippé. Devil May Cry 3. La dernière vidéo avait lieu le 22 avril, donc ça fait presque l'équivalent de 4 mois que j'ai pas fait DMC3. Et donc du coup, en fait, depuis 4 mois, on devait faire le mode Virgile. Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à Dante? Déjà, il faut savoir que Virgile a déjà toutes ses armes disponibles dès le début de sa run. Il a déjà en fait les trois armes en fait qu'il utilisait contre nous, à savoir Yamato, le sabre, Beowulf, les gantelets que j'ai pas du tout utilisé à part pour débloquer un passage avec Dante. Et il a la Force Edge qui est l'épée rapide, qui est beaucoup plus rapide que Yamato et qu'on risque beaucoup d'utiliser. Également, Virgile, à l'exception des deux cutscenes qui présentent son mode, il n'a pas de cutscene. En fait, c'est l'histoire de Dante, mais sans les cinématiques, donc ça va aller beaucoup plus vite que la précédente run. Et enfin, chose qui est très importante par rapport à Devil May Cry, à l'histoire de Dante, nous allons faire le mode Virgile avec le statut Gold. Alors, il vous met normal, mais on va toujours faire en difficulté difficile. On va le faire en mode doré. Alors, qu'est-ce que c'est que le mode doré, me direz-vous? Eh ben, en fait, le mode doré, tout simplement, ça vous permet en fait de revenir au début d'une mission. Ça vous permet de revenir en fait à proximité de l'endroit où vous êtes mort et vous n'avez pas besoin d'acheter des sphères jaunes parce qu'avec Dante on avait fait avec les sphères jaunes. Avec Virgile on va faire avec le mode doré parce que comme Virgile à la base a été créé dans la version spéciale édition pour ajouter un personnage spécial en plus, mais du coup c'est pour ça qu'on va prendre le mode doré. Et donc du coup en fait, alors ce costume je l'ai déjà débloqué en faisant la run de Virgile. Et du coup comme je vous l'ai dit, du coup on va pouvoir débloquer le mode difficile. Alors du coup j'ai gagné ces deux modes là qui sont le mode très difficile et le Dante Must Die. Parce que tout simplement j'ai déjà fait le mode difficile avec Dante. Donc du coup ils sont déjà en fait débloqués dès que vous finissez l'histoire de Virgile en fait. Donc ça c'est plutôt assez sympa. Je vais me mettre dans ce costume-là parce que j'aime beaucoup ce petit costume-là. Et sachez que ça n'influe en rien les cinématiques. Donc là du coup comme je vous l'ai dit, comparé à Dante qui a plein de cinématiques dans son mode, Virgile n'a pas beaucoup de cinématiques, il n'en a que deux. Et je vais me taire pour que vous puissiez profiter des deux. Et ensuite c'est presque digne de Devil May Cry 3 version Richter Edition pour ceux qui connaissent Castlevania Symphony of the Night. Allez, on va s'y lancer. That's not what I'm looking for. Leave me. Then what are you looking for? A demon that impregnates a woman who then bears twin sons. That's the story, isn't it? Leave me. I won't tell you a third time. People inherently fear evil.
occasionally, a person may become seduced by evil. What are you getting at? Share with me the story of Sparda. The activation method is as I described before. It should be a simple matter for you. I will go to his place. I believe that I know where the item we seek is located. You should dispose of any obstacles quickly. It begins. Donc du coup, ça y est, vous avez vu en fait les deux seules cinématiques en fait que Virgile a dans son mode histoire. Et que si j'ai bien compris, en fait, ces deux cinématiques ont lieu bien avant l'histoire de Dante en fait. Parce qu'en fait, Virgile va activer Timonic Groove en fait en activant un mécanisme qui se trouvait dans la Terre Interdite. Vous savez, le truc qui se trouve bien en dessous du Timonic Groove. Au passage, faut savoir que Virgile est quand même ultra puissant parce qu'il parvient quand même à buter ces ennemis-là, que j'ai perdu le nom au passage, faudra peut-être que je le retrouve, qui tue ces ennemis-là, qu'on affronte quasiment à la fin du jeu, il les tue à chaque fois en les coupant en deux. Ça, c'est vraiment classe. De toute façon, la seconde cinématique de Virgile, elle était très classe. Donc du coup, comme je vous l'avais promis, Virgile n'a qu'un seul arme à feu, à savoir les Summoning Swords. Les Summoning Swords, je vais les upgrader pour la mission 3, parce que j'en aurai besoin contre Cerberus. Sinon, comme vous pouvez voir, il a déjà ses trois armes disponibles dès le début du jeu, à savoir Yamato, qui est une arme qui a une grande hitbox, mais qui a le gros défaut d'être une arme extrêmement lente, Beowulf, qui peut faire de sacrés combos et qui peut faire très mal contre des ennemis ténébreux, et Force Edge, qui, elle, est une arme qui est très rapide et qui fait très mal. Il a également qu'un seul style qui est le Dark Slayer en fait, qui lui permet tout simplement de pouvoir se TP. Par exemple, vous vous apprêtez à vous prendre une attaque, vous appuyez sur rond et paf, ça vous permet de vous TP. Donc du coup en fait, là en plus on a pris le mode doré, donc ça veut dire que ça là, la sphère dorée, j'en aurais pas acheté. Donc déjà on aura plus de place pour acheter tout ça en fait. L'eau bénite, comme je rappelle, je vais les garder pour Arkham dans la mission 19 parce que même avec Virgile, on aura besoin de l'eau bénite. Et je tiens même à dire que
combattre Arkham avec Virgil est beaucoup plus dur qu'avec Dante, parce qu'avec Dante, t'avais des armes qui pouvaient faire mal, alors que Virgil, lui, ben, il est très limité. Déjà, faut savoir que Virgil n'a pas de double saut comparé à Dante. Parmi les actions, je vais vous montrer, il n'a aucune attaque qui lui permet d'avoir un double saut. Également, certaines de ses attaques sont bloquées tant qu'en fait Virgil n'augmente pas dans son style. Par exemple, vous voyez Starfall level 2, au lieu que qu'ils me disent vous n'avez pas assez d'orbes pour acheter cette aptitude, il dit votre niveau n'est pas assez élevé. C'est parce qu'en fait, tout simplement, il faut augmenter dans le niveau des styles pour pouvoir acheter ces trucs-là. C'est un peu abusé, mais c'est un truc comme ça. C'est pareil également pour ça. Mais comme je vous l'ai dit, je vais surtout bien essayer d'accumuler des sphères pour acheter Summon Sword pour augmenter sa cadence. Parce qu'en fait, au début, les Summon Sword en fait, vont aller très lentement. Mais en fait, quand je vais gagner beaucoup de sphères, je vais acheter le niveau suivant et ça va aller beaucoup plus vite. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, vous le savez, quand on fait le truc, triangle sert à attaquer, rond c'est pour le style, et les touches carrées ça sert à utiliser le style. Donc du coup, Virgil peut switcher avec toutes ses armes quand il veut. Donc là, c'est Yamato qui est une arme extrêmement lente. Bon ben déjà je vais pas avoir un rang génial, parce que je rappelle que le rang dans ce jeu se détermine si vous prenez pas de dégâts. Ah, je crois que je peux pas. Non, pas encore. Il faut que j'achète une compétence, parce que je voulais faire une attaque en faisant triangle plus arrière. Sauf que le problème, c'est que je n'ai pas l'attaque qu'il faut. Et c'est ça que j'adore faire avec Virgil, c'est en fait switcher entre les armes au fur et à mesure du combat, en fait. Pam, allez, coupé en deux. Alors, les missions, je vais très peu vous les expliquer. Si vous voulez des grosses explications, n'hésitez pas à aller voir les épisodes sur Dante, parce qu'en fait, ben, ce mode-là, c'est un peu un mode speedrun, en fait. Parce que tout simplement, c'est des missions qu'on va faire. Mais comme il n'y a pas les cinématiques, bah du coup, vous pouvez aller facilement sur ce truc-là très rapidement, quoi. Donc, et je sais, j'ai un peu de mal à parler, je suis désolé. Voilà, donc normalement ça doit être bon. Ouais, c'est bon. Et donc en fait, comme je vous l'ai dit, on n'a pas de truc. Donc rang A, donc je n'ai pas récupéré suffisamment de fer. Je dirais rang A. Ouais, rang A. Et que je tiens à vous rappeler, le rang A n'est pas le rang maximum du jeu. Le rang maximum du jeu, c'est le rang S. Et ça m'est arrivé durant mon entraînement que j'ai eu des rangs S dans certaines missions. Donc alors voyons voir. Pas assez, 4526, il me faut 7500 pour acheter le machin. Donc là vous voyez, on est déjà passé sur combat alors que on commence à peine. Alors chose qui est un peu chiant par contre, c'est que vous commencez obligatoirement avec Yamato. Or si vous voulez affronter certains ennemis, ça va être un peu gênant. Oh putain, connard. Bon bah tant pis pour le no damage du coup. Parce que vous pouvez avoir un rang S en no damage uniquement si vous vous faites pas toucher. Forcément, comme un débile. Je me suis fait toucher, j'ai cru qu'il allait me toucher, ce connard. Mais... Ah oui, autre chose aussi. Il a son Devil Trigger dès le début du jeu. Donc c'est plutôt assez sympa. Bon, après, c'est un peu logique parce que dans l'histoire de DMC 3, il était déjà en démon. C'est juste que, en fait, pour des raisons de gameplay, ben, il n'avait pas son démon quand on l'affronte. Donc, et c'est pareil pour Dante. Vous voyez, les summons de source, c'est ça le gros défaut de cette arme, c'est qu'elles sont ultra lentes si vous les upgradez pas. Donc. Oui, on sait, t'es moche. Tiens, die.
Et emmène tes copains avec toi, merci. Merde, j'ai switché sans faire exprès, c'est pas grave. Tiens, prends ça dans ta gueule, espèce de mocheté, va. Ah, je l'avais déjà fait. Et puis saloperie, qui te dit de me toucher? Donc on retrouve notre ami The Grim Reaper, aka le Hell Vanguard, qui est toujours aussi simple. Et lui, je l'affronte toujours avec Yamato, en fait. Parce que ben, forcément, Yamato fait énormément de dégâts. Par contre, le jeu, j'aimerais que tu le vises, s'il te plaît. Bon, contre! Merci. Et donc, en fait, voilà ce que je fais. En fait, j'attends qu'il attaque. Et je l'attaque par derrière avec Yamato. Comme Yamato a une grande hitbox, ben autant en profiter, quoi. Donc, comme d'hab, il s'était pépé, c'est un gros débile, bravo. Et donc, du coup, voyons voir le rang. Et donc, je rappelle, le Hell Vanguard de cette mission, c'est censé être un boss, sauf qu'il est tellement simple à faire. Je vais avoir rambé, à mon avis. Ah non, rang A. Bah, le jeu est généreux, quand même, parce que normalement, en réalité, je pense que j'aurais été rambé, là, mais c'est pas grave. Alors, j'espère, par contre, que je vais pas me faire troller, parce que je rappelle que j'ai toujours des peurs que ça ne s'enregistre pas, mais c'est pas grave. Donc là, c'est bon, on a atteint ce qu'il faut, donc j'achète du coup ceci. Est-ce que je peux acheter une action? Non. Non. Et non. Bon, tant pis, c'est pas grave, je vais acheter des objets pour compenser. Tac, voilà. Donc là, du coup, la mission 3, pour ceux qui s'en rappellent plus, c'est la vraie première mission difficile du jeu. Donc ces connards-là, je vais les éviter. C'est pas obligatoire. Ce passage-là, faut trouver un truc qui me permet tout simplement de pouvoir ouvrir la porte. Parce que tout ce qui est bleu, c'est une énigme. Et on tentera les missions secrètes dans le mode Virgile, donc... Merde, dans l'autre sens, Virgile. Et contrairement à Dante qui avait un fusil qui était dans ce coin-là, en fait, ben, on ne peut pas avoir le fusil parce que tout simplement, ben, on n'est pas Virgile. Et aussi, Virgile ne peut pas se servir de la barre de pole dance parce que tout simplement, il n'a pas les compétences qu'il faut, en fait. Donc, on retrouve ces mochetés qui font toujours un bruit de con quand ils attaquent. Qui, au début, je l'avouais, quand j'ai commencé le jeu, il faisait un peu peur. Parce que, tout simplement, avec leur cri, le fait qu'ils pouvaient se TP, connard, mon Perfect Run, connard. Ta gueule. Voilà, crevez tout ce monde de cons, voilà. Non, je voulais que tu fasses ce truc, merci. Donc on rappelle, on retrouve des luxures qui n'étaient pas présents dans le mode normal. Sachant que je vous ai pas fait le mode normal, mais c'est juste que moi je savais pas du tout qu'ils étaient là. Ah, j'avais déjà ça. Ok, mais ça c'est très utile parce que ça fait énormément de points pour le style. Non, attaque pas le plancher, Virgile! Attaque les ennemis, merci! Parce que ça fait très mal et ça aide à beaucoup augmenter style, ça. Pff, il a fini ici, tout va bien. Donc ça, c'était plutôt correct ce qu'on a fait. Mais vous allez voir, la moitié des missions, ça va devenir des speedruns tellement que le jeu... tellement que le mode Virgile, en fait, est ultra rapide. Donc ça, on s'en fout, ça, c'était mini-grew. Donc le gros défaut de Virgile, c'est, comme je vous l'ai dit, il n'a pas de double saut. Donc par conséquent, il ne peut pas...
Il ne peut pas faire de double saut, donc on est obligé de se servir des murs. Donc ça, c'est ce qui vous permet à augmenter votre réseau de sphères. Et plus vous faites des combos, plus vous recevez énormément de sphères. Et donc je sais... Ah, il est là. Donc je sais qu'il y a une statue là-bas, on peut la péter pour obtenir un fragment de sphère. Est-ce que je pourrais l'avoir? Donc ça, les fragments de sphère bleue, c'est que si vous en obtenez 4, vous obtenez sphère bleue qui augmente vos HP. Donc ça, c'est Yamato. Bon, celui-là était très simple parce qu'il en avait que 3, mais par contre, Yamato, je risque de très peu m'en servir des trucs comme ça, quoi. Est-ce que j'achète? Ouais, je vais peut-être acheter des trucs parce que... autant, faut toujours le spammer, mais je préfère quand même acheter des actions. Non, pas des objets, des actions, j'ai dit. Ouais, rapid slash pour Yamato. Comme ça, on peut avancer plus vite. Et en fait, ce qui rend le combat contre Cerberus un tout petit peu plus simple avec Virgil qu'avec Dante, c'est qu'en fait, on a un safe spot où on peut spammer nos épées. Bon, forcément, quand ce connard fait ça, c'est un peu chiant. Par contre, j'aimerais... Voilà, merci. Et en fait, en restant sur ce safe spot, certaines des attaques de Cerberus ne pourront pas vous atteindre. Donc ça, c'est plutôt assez sympa. Bon, par contre, s'il me balance ça, c'est un... Ce serait un peu chiant. Donc on se rappelle, avec Dante, on avait perdu une fois contre Cerberus, donc... Et il recommence... Ouais, mais je suis dans ces spots, connard. Tu peux pas me toucher. Bon, il passe déjà sa deuxième phase, donc ça, c'est plutôt assez sympa. Et je rappelle, dans sa deuxième phase, vous me pouvez... non, pas la papate. La tête. Vous voyez, ce con, il a visé le mauvais côté. Non, je veux viser la tête, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, quand il fait ça avec Virgil, je cours pour éviter de me prendre des dégâts. Est-ce qu'il m'a touché? Ah, le problème, c'est que là, j'en ai plus. Voilà, la preuve, je me suis fait toucher comme une merde. Je suis pas prêt, Il a réussi. Ah mais c'était aussi parce que je suis trop proche. Eh, si vous voulez qu'on joue à ça, moi, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, gros défaut de Virgil, c'est qu'il ne peut pas tirer ses lames en sautant. C'est le gros défaut. Oh, tu fais chier! Fais chier! Ouf! J'étais pas prêt. Alors, Médor, tu dis quoi, connard? Donc on a vu que cette attaque pouvait me toucher. Et voilà. Bon là par contre j'ai vraiment atteint ces spots. Malheureusement j'ai tué une tête qu'il fallait pas tuer. Pas la papate, la tête. Et je rappelle encore une fois je suis en difficile. Hein. Ce n'est pas le mode facile. Hein. Oh tu fais chier merde. Oui tu fais chier Médor. Oh, j'étais pas prêt.
Merci, parce que c'est la tête que je vais viser, c'est pas... Perdu, loupé. Oh, c'est quand que ta seconde tête, elle explose? Bon, au moins là, ça va être un petit peu plus simple parce que là. Ah, en plus, c'est la tête la plus simple à maîtriser. Donc, bon, faisons gaffe parce que dernière fois que j'avais dit ça, je m'étais pris un karma sur le coin de la gueule parce que j'avais sauté un peu trop tard. Non, trop tard, trop tôt. Oh, merde! Ah! Bon, j'ai pas subi trop des dégâts parce qu'il est déjà mort, mais... Putain, il était sérieux ce boss, il voulait pas crever. Par contre, je vais avoir un rang de merde, à mon avis. B... Oh, sphère S! Pas mal. Ouais, peut-être parce que j'ai pas assez fait de trucs. Je dirais B. Ce jeu doit me contredire, mais c'est bien, donnez-moi des rangs A, parce que les rangs A, ça me donne plus de sphères, donc ça c'est plutôt assez sympa. Donc là, comme d'habitude, je vais faire des petites coupures, vous voyez, hein, c'est bien marqué, hein. Difficile, hein. J'ai pas choisi un autre mode. Hein. Limite, là, la façon que je l'ai fait, on dirait moitié que je fais en mode easy, quoi. C'est abusé, mais après c'est que le début du jeu, on tient à rappeler. Allez, je vais faire une petite coupure, je vais vérifier si on m'entend bien. C'est bon, on est prêt, donc par conséquent, je vais pouvoir sauvegarder et on va continuer. Ça va être très rapide, hein. Vous voyez, on a à peine commencé, il n'y a même pas 27 minutes de cela, on est déjà à la mission 4. Dans l'autre, souvenez-vous, on avait eu un tout petit peu de mal. Est-ce que je peux acheter des actions? Oui, je peux. Rising Sun, non. Le Stinger, par contre, oui. Donc round trip, ça, j'aurais pu l'utiliser contre Cerberus, mais j'y ai pas pensé, c'est pas grave. Donc on rappelle, encore une fois, les objets de soins augmentent au fur et à mesure que vous les achetez, ça c'est connu. Donc là, pas besoin de vous montrer le truc, vous savez qu'il faut qu'on monte tout là-haut vers la porte bleue, pas la porte rouge, mais la porte bleue pour l'ouvrir. Donc là, je vais utiliser la méthode du Stinger pour faire vloom, voilà. Comme ça, ça permet de skipper au-dessus du trou, donc ça, c'est plutôt assez sympa. Fallait le savoir, ça. Ah oui, au passage, Virgile n'a pas les mêmes musiques que Dante, mais le gros défaut, c'est que les musiques, je les trouve nulles à chier. Donc là, on va retrouver nos amis les Artemis, les fameux archers. Que je pense que c'est fait exprès qu'ils montrent le fait que les Artemis existent. Parce que tout simplement, on rappelle que dans la mission 3, on pouvait en rencontrer, mais on pouvait les skipper. Là, t'es obligé de les affronter, du coup. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas encore débloqué la compétence que je voulais faire. Connard, mon Persécron! Non, l'autre sens, Dante... Dante, Virgile. Si je confonds Dante et Virgile, ça va pas marcher. Ah, c'est sympa pour l'énergie, les gars... Putain, j'ai cru qu'il allait attaquer ce connard.
Alors par contre, ce con s'est décidé de se mettre au niveau de la porte. Tout va bien. On rappelle que dans DMC3, les portes peuvent vous faire des dégâts. Oui, ça fait ultra bizarre comme réplique, mais ça existe. Mais qu'est-ce que vous avez à vous balader, bande de cons? Non! Je t'avais vu venir, toi. Alors, je sais qu'il y a un art... Ah, il y en a un qui vient de popper ici. Les cris qui poussent, c'est débile, quoi. Mais putain, laisse-moi monter! Donc ça, c'est bon, la porte est désormais ouverte. Mais qui t'a dit de tomber? Donc on rappelle ce passage, on est obligé de casser les statues parce que sinon le machin ne monte pas. Donc là encore un truc de sphère qu'on va bien profiter parce que les actions c'est vraiment ce qui vous aide avec Virgile donc... Alors oui, on peut se TP en l'air, donc c'est ce que je vais faire, je vais m'amuser le temps que cet ascenseur monte. Alors on rappelle que la hitbox pour accéder à cette salle est un peu particulière, en fait vous pouvez l'accéder qu'en l'air. Donc les gourmandises qu'on rappelle qu'ils sont capables de vous balancer des nuages de sable sur la gueule. Comme ce qu'il allait tenter de faire, sauf que je l'en ai empêché. Regardez-moi cette bande de lâches, quoi. Oh. Vous n'allez pas me toucher avec cette attaque, c'est moi qui vous le dis. Et il m'a touché, connard! Oh, mais deux fois par cette attaque pourrie, quoi. En plus, je rappelle que j'ai pas encore augmenté ma santé. Toi, ta gueule. Toi aussi, ta gueule. Mais il est où ce con? Ok, tu t'amusais bien sur les remparts, connard. Ah, c'est vrai, mon Stinger, malheureusement, est trop petit. Donc là, avant de continuer, je vais essayer d'atteindre, du coup, la sphère bleue, bien que ça va être un petit peu plus compliqué. Enfin, quoique, j'avais pas mon double saut à l'époque, et d'ailleurs, la preuve est bien arrivée, vu que je l'ai chopé. Donc là, en fait, il nous indique où se trouve la plaque astronomique, vous n'avez pas besoin de le savoir, vous l'avez déjà vu. Donc là, hop! Ça suffit pas! Je merde! Bon, c'est pas grave, on l'a quand même atteint. Donc là, en fait, le jeu tente de nous faire croire qu'il faut partir par là, sauf que le problème... Prank! Et donc, on finit dans la salle des damnés avec cette bande de Momo Fox. Lui, il va tomber, lui. Et bon... Bon, vous pouvez vous prendre des coups de pied, s'il vous plaît. La caméra, ce serait génial, merci. De toute façon, les DMC ont toujours eu des problèmes de caméra, donc... Alors, problème, voilà, c'est que comme on a énormément de ces paresses de mes deux là, ben forcément, ils se TP partout, quoi. Bon, malheureusement, je sacrifie les sphères, mais je veux pas trop interrompre mes combos.
Ah, ça nous prie. Voilà, die, motherfox. T'as survécu, toi. Bah, tu vas rejoindre tes ancêtres, voilà, merci. Et donc, on va affronter un boss qui, on rappelle, n'est pas difficile, même si en entraînement avec Dante, j'étais mort contre lui. Donc, contre lui, j'utilise souvent le Demon Trigger, parce que forcément, ça fait ultra mal. Et sachez que, comme dans le dernier combat, on peut lui renvoyer ses boules sur la tête, donc. Ah. Et du coup, j'ai découvert quelque chose que j'étais un peu surpris. Le point faible de cette saloperie, c'est sa tête. Il est en train de m'emmener vers un tour. J'étais pas prêt, là. Alors, on va essayer de renvoyer quelques boules sur le coin de la gueule. Ok, ça s'appelle un fail. Et j'ai compris, en fait, que on peut faire plus de dégâts sur le gigapède si vous le frappez à la tête. Ça, par contre, je savais pas. Mais attends, mais je suis pas prêt! Ouais, vous voyez, je suis en train de lui faire énormément de dégâts parce que je l'ai attaqué à la tête, quoi. Ah, ça augmente pas ma barre. Oh, j'étais pas prêt, il est trop haut. Ah, le problème, c'est que je crois que là, il va pouvoir commencer. Même pas! Bam bam! Ah merde! Et en plus, j'ai réussi à le louper? What? Ok. De toute façon, je peux pas mourir. T'es presque mort! Je l'avais même pas vu! Connard! Voilà, tu es mort. Alors, pour ceux qui se rappellent de ma dernière première sur DMC, vous trouvez que je m'en suis mieux sorti avec Virgile ou avec Dante? Parce que, personnellement, je dirais, si j'exclus les risques, je trouve que je m'en suis bien sorti avec Virgile, quand même. Non, laisse faire. Vous restez avec moi, s'il vous plaît. Die. En plein élan, tout va bien. Donc, voyons voir le temps que j'ai mis. Alors, rang A, déjà, ça commence bien. Oh, rang S, niveau sphère. Mon point de style, c'est pourri. Ah, je me suis pris pas mal de dégâts. Rang A, je dirais. Et voilà, quadruple A. Je sais, mes amis. Je sais, mais... Ne me félicitez pas. Je ne fais que mon truc. Donc, il est... 14h45. Je vais faire au moins 2h. Et là, vu la vitesse à laquelle on part, je pense qu'on devrait être tranquille. Qu'est-ce que je peux m'acheter? Alors déjà, je peux m'acheter ça pour que je puisse faire plus de combos. Et qu'est-ce que je me prends? Judgment Cut ou... Attends, toi, c'est 15 000. Fuck! J'ai consommé un peu trop vite. Ouais, round trip, ce sera mieux. Donc, comme vous l'avez vu, le Stingray ne marchait pas parce que tout simplement, il me faut un... Merde! Le Stingray, il faut augmenter mon style. Donc en fait, voilà le style que j'ai augmenté, en fait. Au passage, je n'ai pas fait la mission secrète. Oh, le petit trollolol, il était caché.
Ok, c'était pas du tout prévu, mais... Oh, ce jeu qui est généreux, quoi, qui me donne des sphères vertes, quoi. Et donc là, on va retrouver notre bon vieux copain Jester, qui, lui, j'aime bien alterner entre toutes les attaques, en fait. Donc Jester, qui, comme dans la version de base, on va faire que deux combats. Je ferai la mission 5 et la mission 12. Parce que dernière fois, on n'avait pas fait la mission 12. Non, c'était la mission 17 qu'on n'avait pas fait. Et Yagami, lui, avait fait la mission 5 et 12. C'était l'inverse. Je suis con. J'allais l'attaquer alors que il avait pas fini. Donc ça, malheureusement, ça, je peux pas contrôler parce que ça, c'est ultra random. Oh, heureusement qu'on a ça. J'adore là. Oui. Donc on se rappelle que... donc là, faut tourner. On se rappelle que dans cette deuxième, première phase, en fait, Jester n'a pas de seconde phase. C'est que dans la dans les suites, dans la mission 12 ou 17, qu'il a une deuxième phase, donc... Oh, je voulais tuer avant de passer à l'autre truc. Non mais en vrai, normalement, je t'ai coupé en deux, là, Jester. Mais bon, vu comment on sait qui est le mystérieux personnage qui se cache derrière lui. Bon, vas-y, fous-toi de ma gueule, t'as raison. C'est vrai qu'un détail qui fait que beaucoup n'aiment pas les combats de Jester, c'est qu'en fait, ça a été créé spécialement pour la version spéciale édition. Et du coup, tu sens que les développeurs n'avaient pas prévu tu gagnes quelque chose de sa part. Et donc, c'est vrai, c'est très frustrant, par exemple, dans sa deuxième phase, que tu te fais chier à l'affronter et que au final, t'as juste que dalle. Donc là, je vais faire mon truc. Pim, voilà, je suis descendu. J'ai fait comme ça. Tout va bien. Donc on se rappelle, ça sert surtout à obtenir le Vajura, qui n'est pas une lance décorative, je rappelle. C'est qu'en fait, il va servir pour le truc qui se trouve dans la porte bleue. Vous avez le formulaire bleu? Le formulaire bleu? Non. Alors comment voulez-vous avoir le laissez-passer à 38? Et où est-ce que je peux l'avoir, ce formulaire bleu? Guichet 1, mais j'en viens. Donc là, du coup, la sphère blanche, c'est ce qui sert à régénérer le DT. Non, parce que quand je pense à la porte bleue, ça me fait penser à ça. Je sais pas pourquoi. Donc du coup, on rappelle le Vajura, faut le mettre ici. Que quand on était petit, moi et mon frère, on a eu du mal à passer ce passage parce qu'on savait pas où il fallait mettre cette merde, en fait. De toute façon, je vous en avais parlé qu'il y avait deux moments... dans Devil May Cry 3, où moi et mon frère, on était bloqués, c'était la mission 5 et la mission 16. Non, Dante, pourquoi je l'appelle toujours Dante? Virgile, l'autre sens. Donc là, forcément, le jeu allait se dire, bah tiens, il a pas trop souffert depuis quelques temps, remettons-lui quelques ennemis. J'ai même pas fait exprès de l'avoir, cette gourmandise, quoi. D'ailleurs, je sais pas ce qu'avait Capcom pour nommer les ennemis comme ça. Alors, je sais qu'ils sont tous basés sur les 7 péchés capitaux, mais là, moitié, la façon que je dis la gourmandise s'est fait niquer. On dirait moitié que je parle du perso dans Full Metal Alchemist.
qui ont rappelé que Fullmetal Alchemist c'était surtout une série que regardait mon frère. Pouvez-vous me donner un peu de santé s'il vous plaît, bande de motherfuckers? Non? Ok. Connard! Ah, merci! Franchement, c'est sympa, les gars. Vous pouvez mourir en paix maintenant, parce que il m'a donné une sphère verte, alors que je en plaignais que j'en avais pas eu. Et on remarque quand même que je tiens à vous rappeler un détail que dans. Oh! Je l'appelle toujours Vante, c'est abusé! Que Vante, il en. Non, Vante, c'est autre chose. Putain, je suis con. Virgile, il est en train de tuer ses propres subordonnés, quoi. Tout va bien. C'est pas par ici. Non. J'ai complètement loupé le trou. Donc ça, c'est Beowulf. Et voilà, et du coup, normalement, voilà, ouais, sphère bleue, comme ça, ça augmente un peu ma santé. Il y en aura un petit peu besoin. Oh, je suis pas loin d'avoir débloqué le style principal. Et vous savez quoi, on va faire Nightmare Mode, je vais pas faire l'émission secrète. Vous les avez pratiquement tous vus dans la run avec Dante, je vous conseille d'aller les voir. Il y a juste si jamais je veux acheter quelque chose, je peux faire la mission secrète de la mission 9. Donc là on rappelle la mission très proche d'un combat à la Street of Rage 2, que je rappelle que j'ai fait sur ma chaîne. Mais non, mais putain, c'est... Donc là, vous avez vu ce qui se passe quand on tombe de l'ascenseur. Il faut tout recommencer. Et là, c'est pas un ennemi qui m'a fait tomber. Non, c'est que je suis tellement débile, je suis tombé de l'ascenseur. Et forcément, les ennemis, ben, ils reviennent. Je ferais mieux de garder Yamato quand même. Parce que comme ça, ça les fait dégager rapidement. Vous dégagez. Toi, tu dégages. Dégagez, showtime. Allez. Bon. Mais tombe. Ah mais j'ai même pas le temps de le tuer, je suis déjà passé donc. Donc Agni Rudra, je m'en rappelle déjà plus comment je les avais battus, mais je crois que j'utilisais surtout soit Yamato, soit la Force Edge. Parce que Beowulf c'était un peu trop risqué. Sauf pour faire des combos. 5000, ouais, ça sert à rien. Let's go. Et donc du coup en fait comparé à la run de Dante où... Ou en fait, si je mourais, je recommençais directement un peu plus loin et je pouvais recommencer la mission si j'échouais. Là, en fait, on a continué infini, donc. Oh, merde. J'ai fait le con. Ouais, ça c'est... j'active le machin pour que je puisse être tranquille, parce que je rappelle que DT augmente ma santé. Ok, j'avais réussi à le contrer. Par contre, ça craint énormément. Si je me refais toucher, je vais être obligé de diminuer mon rang, là. Bon, merci, mec, pour avoir désarçonné ton frère. Sauf que le problème, c'est que je suis obligé d'être seul. Je vais avoir rambé. Oui, c'est ça, faites-vous des dégâts, bande de cons. Oh, connard. Donc je rappelle encore une fois, il faut pas blesser trop un frère avant
d'attaquer un autre, parce que le problème c'est que si vous blessez... non, c'est l'autre Jedi. Si vous blessez trop un frère, l'autre va passer à une seconde phase qui est chiante et qu'en plus il vous fait des dégâts et vous ne pouvez rien faire parce que la cinématique vous empêche. Et ça, allez-y, faites-vous mal. Non, l'autre frère. Oh connard! Eh oh! Putain, mais j'esquive là, je me prends l'autre quoi! Mais what? J'aime pas, putain, quand le jeu me fait ça, que... Quand le jeu fait en sorte, en fait, que tu ne vois pas, quoi. Attaque de flamme. Par contre, faut que j'attaque plus ton frère, parce que t'as plus de santé que lui. Hop, hop là. Ok, il a bugué. Rudrak avait bugué. Hop, hop là. Attends, j'aurais voulu que vous vous contrez vous-même. Non, l'autre. Merci le jeu. Oh, comment il a fait pour louper? Oh, je suis deg. J'aurais voulu que tu touches ton frère, merde. Ok, il a réussi à te toucher. Oh. Hop, hop, si je me refais toucher. Chier. Oh, vous faites chier, putain, mon rang. De toute façon, ces boss ont toujours été chiants, quoi. Donc ça, c'est la tornade, ça, c'est facile à esquiver. Oh, mais tu fais chier, vous faites chier. Ouais, le problème c'est que je peux pas attaquer son frère parce que l'autre il balance. Oh, mais c'est pas... Je déteste quand vous faites ça, putain, que vous me tombez sur le coin de la gueule sans... Vous avez vu, hein, un PV, hein. Oh putain, le problème c'est que j'étais tellement dans mon attaque, je l'ai j'ai pas pu l'esquiver là. Voyez, c'est... Non, pas lui, l'autre frère.
Oh putain! Il est où l'autre? Oui, c'est bon! Donc voilà ce qui serait passé. Donc style amélioré, donc ça veut dire désormais je peux TP en avant. Voilà ce qui aurait dû se passer la première fois. C'est qu'en fait, l'un meurt et je tuais l'autre juste après. Alors on va dire rambé rancé. Parce que j'ai consommé trop d'objets, je me suis pris trop de dégâts. Ouais, B à mon avis. La fin du quadruple A, non. Je suis tech. Ah, c'est pas grave. De toute façon, ce boss était chiant de base, alors. Ouais. Donc, du coup, mission 6. Est-ce que je peux acheter d'autres actions ou... Visiblement, non. Je vais quand même acheter des étoiles parce que j'ai perdu mes deux étoiles contre cette bande de momofoques. Alors ça, c'est mes potes du drive, parce que... en fait, quand j'enregistre cette vidéo, je suis un peu stressé sur un détail, c'est que j'ai envoyé des appels, parce qu'à l'époque de cette vidéo, je suis au chômage. Et du coup, en fait, j'essaie de faire attention. Ah, j'aurais pu acheter des stylos, je suis con. Donc là, pour cette mission, on va faire que deux épreuves. L'épreuve de l'intelligence, qui, on rappelle, c'est la fameuse énigme de qu'est-ce qui marche à quatre pattes, puis à deux pattes, puis à une patte, c'est l'homme. Et c'est toujours très simple, faut d'abord aller en haut, puis en bas, et enfin en face. Et du coup, la prochaine chose que je vais faire, c'est l'agilité. Parce qu'en fait, tout simplement, je vous fais les deux épreuves les plus rapides. On va pas faire l'épreuve du combat sur cette run. Alors oui, je sais, vous pouvez me traiter de... vous pouvez me traiter de lâche. Mais sauf que en réalité, je fais ça, c'est pour vraiment... réussir la mission la plus rapidement possible. Parce que le problème en fait c'est que l'épreuve du combat il n'y a pas de souci, on peut le faire. Mais le problème c'est que ça prend énormément de temps. Et avec Verchi ça sert à rien, parce que c'est à la base c'est pour débloquer l'arme secrète avec Dante. Or c'est pas obligatoire. J'ai failli le regretter pour ceux qui l'auraient pas vu. Alors oui, ça m'avait surpris la première fois, le fait qu'il n'y avait pas de gargouilles ici. On a à la place des Artemis qui sont complètement débiles au passage, parce que ces ennemis-là sont pas dangereux, quoi. Les gargouilles, tu fous ça à un joueur qui connaît pas, comme par exemple Yagami, il aurait eu du mal. Ouais, il y avait encore un ennemi dans le coin. Non, je voulais faire un stinger, merci. Putain, il y a encore un ennemi? Putain, mais vous faites chier, merde! Vous pouvez pas juste tous crever, bande de cons! Merci. Et donc là, en fait, on a déjà fini la mission 6. Oui, je sais, ça fait pas RP pour la mission, qui en rappelle, c'était la première mission de l'épisode 2. Et que je m'en rappelais, mais j'étais malade comme un chien. Oh, c'était abusé. Alors, je sais, ça fait pas RP, mais bon, au niveau de l'histoire, c'est compréhensible. Parce qu'on rappelle que Virgile n'est pas obligé de récupérer cette arme, parce que c'est l'arme normalement destinée pour Dante. Au pire, ce qu'on peut se dire, c'est que Virgile... Il laisse l'arme pour son frère. Il est gentil. Donc ça, c'est Force Edge. Putain, mais je devrais... qu'est-ce que je fous? J'allais changer d'arme, sauf que je peux pas faire de combo. Voilà. Voilà, donc là, normalement, la mission a dû être rapide. Ah bah oui, rang S, logique, j'ai perdu peu de temps. Mon sphère, par contre, ouais, ça a beaucoup influencé. Je vais dire rang A. Voilà, rang A. On a retrouvé le A, messieurs, dames. Donc là, je vais refaire une coupure au cas où il y aurait un bug. A tout de suite.
C'est bon, on entend toujours ma voix suave et charmante à travers le truc. Donc tout va bien. On n'est même pas au bout de 2 heures. Donc pour l'instant, so far so good. Qu'est-ce que je peux m'équiper? Parce qu'on rappelle qu'on a gagné un truc. Non, ça c'est bon. Starfall, je ne peux pas l'acheter. Trop cher. Et ça qui aurait été mieux, je ne peux pas l'acheter. C'est pas grave. On va passer directement là-dessus. Il n'y avait pas une... non, ça c'est la mission secrète, ça. Donc là, on va faire encore le gros délire. Je me suis trompé de sens, je suis débile. On va refaire le même délire qu'on avait fait avec Dante, à savoir qu'on faisait une attaque où on finissait en bas. Là, Virgil, c'est moins impressionnant que Dante, mais c'est plutôt assez sympa. De toute façon, vous l'avez vu tout à l'heure. J'ai bien, oui, j'ai bien Beowulf d'activer. Donc on va faire... Wouhou ! Non mais en vrai là normalement Virgil tu t'es explosé la cheville là, parce que t'as quand même fait un drop kick où tu t'es écrasé par terre. Donc là encore une fois on rappelle là, cette énigme très difficile, fallait trouver le fragment d'oreille de con parmi ces statues, les pions d'amener et on se casse. Par contre, oui, je me suis un peu emmêlé avec la caméra, là. Non, je voulais que tu atterris là-dessus. Donc lui, il faut carrément tourner pour accéder ici. Paf. Donc là, avant de continuer, je sais qu'il y a des sphères cachées ici. Ça, quand tu commences la première fois, comment tu pouvais savoir qu'il y avait des sphères qui étaient cachées ici? Je crois qu'il y avait une sphère bleue, si je me rappelle. Ah, putain, j'ai loupé la sphère bleue, elle était bien ici. Je l'ai loupé à quelques centimètres. Je suis vraiment deg. Non, l'autre sens, Virgile. L'autre sens. Bah voilà maintenant que je loupe mon truc là. Voilà, fallait abuser la téléportation. Tire-toi, mais merde! Encore une fois, damage run. Quoique, la mission 6, je crois, j'avais fait un no damage, je crois. Mais vous faites chier! Alors je crois que j'avais acheté le round trip mais je l'ai pas montré je crois. Oui je l'avais pas montré donc en fait vous appuyez sur triangle enfoncé et... Viou! Et pendant ce temps là vous pouvez utiliser Yamato. C'est débile mais c'est plutôt assez sympa. T'allais essayer de faire quelque chose connard? Donc une étoile de vie, ça peut servir. Vous remarquez quand même qu'au niveau soins, je manque de rien. J'ai 2 trucs d'étoiles de vie grandes, j'ai le reste. Donc là, on va affronter les chamans, puisqu'ils sont capables d'invoquer des monstres si on les laisse faire. Avec eux, j'adore faire des combos. Et ce connard m'a comboté, connard. Donc là, malheureusement... Mais vous faites chier! Donc là, malheureusement, je vais avoir des ennemis sur le coin de la gueule.
Oh oui, ça c'est chiant. Quand il pose son cercueil, ça compte comme un dégât, quoi. Tout va bien, quoi. Le mec, il pose juste son cercueil. C'est aussi débile que les ennemis dans Megaman qui lui sautent dessus, quoi. Ah, il y en a un quatrième. Ah, je m'en souvenais plus qu'il y en avait quatre dans le mode difficile, putain. À moins que l'un des chamans que j'ai tué, c'était un chaman qui invoque des chamans. Vous imaginez ce truc-là dans Fire Emblem Gaiden? Des chamans qui invoquent des chamans. Mais ça craindrait, putain. En fait, tu passerais jamais le passage, quoi. Die. Donc là, je crois, ouais, c'est Yamato avec 5. Je vais pas tenter parce que le problème, c'est que Yamato a des combos ultra limités. Donc, tu peux te faire avoir très facilement. Donc là, du coup, on va se rendre vers la porte rouge. Voici votre formulaire rose. Ceci vous permettra d'accéder au formulaire rose. Le formulaire rose. Il est nécessaire pour l'obtention du laissez-passer A38. Non, c'est votre pote, là, avec son espèce de... Je sais même pas ce que c'est, quoi. On dirait une sorte de gros ballon, mais chargé d'explosifs, quoi. Je croirais dans Megaman, quoi. Parce que dans Megaman, vous avez des ballons explosifs. Enfin, surtout dans les Megaman classiques, parce que à partir de Megaman X, ça devient un peu plus sérieux. D'ailleurs, on rappelle que... parce que je suis certain que notre ami Xord, il est ici. On a vu Megaman Zero. On voit quand même que Megaman Zero, il est très différent des autres Megaman, parce qu'il est extrêmement dark. Ça a commencé déjà avec Megaman X4, mais à partir de Megaman Zero, on voit vraiment le côté dark. Donc là, cette salle, pour ceux qui s'en rappellent plus, c'était la salle avec la boule. Que cette fois-ci, j'espère qu'elle va pas s'envoler, parce que la dernière fois, je m'étais fait avoir comme un gros bleu. Cette salle que je déteste en difficile, parce que le mec invoque des paresses. Par contre, j'aimerais que tu restes là, je vais peut-être te garder. Merci, du premier coup. En plus, ça tombe sur mes pieds. Que demande le peuple? Donc là, le gros problème, c'est qu'on a ces connards qui sont capables d'invoquer des paresses. Et on rappelle, les paresses, ils sont pas durs, mais ils sont chiants. Donc là, encore un chaman, mais qui cette fois-ci, lui, il invoque des paresses. Parce que je crois l'autre, il invoquait des... Connard! Mais... Ah, vous voulez qu'on joue, hein? Moi aussi, je peux jouer, hein? Par contre, faut peut-être pas que j'ignore le chaman, parce que sinon, je vais avoir d'autres paresses sur le coin de la gueule. Je l'avais pas vu qu'il allait faire ça. Vous calmez. La porte! Évidemment, ces débiles sont coincés au niveau de la porte. Allez, stylish, au moins niveau style, ça devrait être bon. Au moins, ce qui est sympa avec eux, c'est que comme ils sont résistants, ben, ça vous permet d'avancer un peu, quoi. Ça vous permet d'augmenter votre barre de style, donc. Putain. Eh, j'espère qu'il n'y a pas des personnes qui détestent les horloges, hein, parce que entendre le petit tic-tac, 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 ça peut énerver certains. Non, je voulais... voilà. Donc là, on va réaffronter pour la dernière fois des chamans.
Alors, on peut en affronter dans la mission 9, mais je les affronte pas. Vous avez bien compris que je ne supporte pas ces espèces de saloperies. Virgis, si tu vises pas l'ennemi, ça va pas marcher. Heureusement, lui, il invoque que des orgueils. Les orgueils ont rappelé, c'est les ennemis de base. Donc là, on va retrouver notre ami la mort, aka le Hell Vanguard. Et comme d'hab, je l'affronte toujours avec Yamato. J'ai même pas fait exprès de péter ce machin. Mais... mec, t'es capable de TP. Oups. Non mais j'ai bien choisi le mode difficile, pas le mode... pas le mode débile. Parce que putain, les ennemis ils meurent comme des merdes quoi, sérieux quoi. Ça fait 4 mois que j'ai pas retouché à ce jeu, ils meurent tous comme des merdes quoi. Et je rappelle, j'ai jamais... j'avais jamais réussi le mode difficile avant quoi. Surtout encore moins avec Virgile. En réalité, c'est surtout Virgile qui est pété quoi. Et d'ailleurs, on va affronter le boss. Souvenez-vous, normalement, on devrait affronter Dante. Eh bien, j'ai fait des recherches. J'ai découvert que Dante et Virgile avaient un frère. Un frère caché. Que je suis même certain que même Sparda ignorait son existence. Ce qui explique pourquoi il est en colère. Ce frère s'appelle... Vanté. Eh oui. En fait, on va affronter Virgile, ce qui est un peu débile. Ah oui, il n'a pas le manteau rouge parce que j'ai pris un autre costume. Ah, j'avais oublié ce détail. Bah oui, j'ai switché un autre costume. Je suis débile. Mais j'aime bien ce costume-là. Il est vraiment sympa, quoi. Die. Et donc, du coup, on va pouvoir... hop, affronter Virgile, et on va se... Ah si, il a quand même sa tenue rouge. Et comme d'habitude, faut le laisser attaquer, et ensuite on fait un combo de 15, et pour le délire, on va l'affronter avec Yamato. Alors, il est un tout petit peu... Connard ! Il est un tout petit peu plus dur à esquiver ! Voilà comment se comporte un vrai samouraï, connard. Bon, par contre, ça fait que le combat contre Virgile va être un tout petit peu plus long vu que ben, il ne sait faire que ses attaques, malheureusement. Attends, c'est toi qui viens de me foutre la main au cul, là ? Alors, du coup, ça, je ne... Alors ça c'est un détail qu'on n'avait pas vu avec Dante, ou alors j'avais pas fait attention, connard. C'est un détail qu'on n'avait pas vu avec Dante, ou alors j'avais pas fait attention. Virgile peut couper les statues s'il loupe une attaque. Pourquoi t'es parti dans l'autre sens, Virgile? Putain, Dante, il était de l'autre côté. Et pourquoi en fait on l'appelle Dante? Parce qu'en fait, tout simplement... ah mais tiens, il vient de récupérer ses cheveux. Chose ironique, moi je peux pas avoir la même coiffure, donc... Pourquoi on l'appelle Dante? C'est parce qu'en fait, il porte un manteau rouge, comme Dante.
J'ai un peu fait le con là. Oh connard! Non mais arrête de casser tes trucs, t'en as besoin pour le rituel final. Enfin, toi c'est plutôt Arkham. Hein. Ah connard! Non mais... Ah, en fait j'aurais dû faire comme ça. Oh connard! Where's your motivation? Oh connard! Et je n'aurai pas rang S pour le truc, donc je vais peut-être avoir un B. Oh merde! Mais putain, mais je fais n'importe quoi. C'est un boss ultra simple, mais je réussis l'exploit de tout louper. Voilà! Putain, le Kekashi parmentier quoi. Bon, pour l'instant, ça va. Mais. Nul à chier. A ou B? Non, notre série de A vient de tomber, non! Ah, mais qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Putain, je suis deg parce que en normal, je l'avais fait en rang S cette mission-là. Je suis un peu deg. C'est pas grave. Donc mission 8, le truc avec Léviathan, et qui normalement on rappelle dans la mission, dans le jeu de base, c'est là qu'on avait... C'est là qu'on avait le Devil Trigger. Je crois, j'ai pas assez pour acheter un objet, je me suis trompé. Ouais, j'en ai pas assez. Peut-être augmenter mon truc de Devil Trigger, parce que j'en ai pas beaucoup. Donc là, on rappelle, il faut péter ces machins avec... Il faut péter ces machins pour ouvrir la porte. Et on peut les détruire avec notre épée. Par contre, j'aimerais... Louper. Parce que vous avez vu, même notre arme à feu, en fait, peut casser ces barrières. C'est plutôt assez sympa. Il n'y en avait pas... Si, il y en avait un ici. Ok, ça commence bien. Ah, tu fais chier. Le dernier qui se trouve ici, d'abord je récupère un peu de santé. Je vais peut-être plus me mettre de ce côté pour éviter que je tombe. Parce que je rappelle que contrairement à Dante, Virgil peut pas se rattraper. Ah, j'ai cru que j'allais devoir... Je sais, je suis trop un beau gosse. Je me suis rattrapé d'une chute monumentale. Ah, j'en ai toujours pas assez. Ah, il m'en manque plus qu'un. Ce niveau me dégoûte toujours. Et que d'ailleurs j'ai une revanche à prendre sur cette mission, souvenez-vous avec Dante, j'avais échoué à cette mission juste parce que ces putains d'envies me cassaient la gueule quoi. Ah là on voit que je vais beaucoup plus vite.
Bon, là, malheureusement, je pourrais pas, voilà, continuer parce qu'on a lui qui est de retour. Alors, il y a des speedrunners qui arrivent à faire des dashs en... pendant que cet ennemi nous poursuit. Mais sauf qu'en réalité, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'en fait, bah, pour dasher, souvenez-vous, il faut qu'on vise un ennemi. Bah, l'ennemi, il est juste derrière nous. Donc forcément, tu vises le gigapède comme un gros débile, quoi. Allez, stylish, tout va bien. Ces ennemis sont des putains de blagues. Là, on voit que depuis que j'ai acheté l'upgrade du Stinger, ça va mieux quand même. Donc là, en fait, on peut pas récupérer les orbes. Les orbes, en fait, les orbes vont par là, en fait, pour qu'on obtienne un objet. Et mon damageless connard. Non mais les cris qu'ils poussent aussi, merde! Tu m'étonnes que il faut les exterminer, c'est pas des trucs, c'est des... C'est pas des ennemis, c'est des merdes! J'ai même pas eu le temps de m'acharner sur eux, ils sont déjà morts, donc ça en fait quand on le récupère, ben, tout finit dans le noir. Ça va être tout noir! Et là je suis certain que tu vas avoir des centaines de commentaires qui vont balancer des gros... Ta gueule! Donc là-bas, ça sert à rien, c'est le truc de Beowulf. Or, Beowulf, ça devient beaucoup plus compliqué. Die. T'as, mais franchement, comment il fait pour finir dans l'intestin du Léviathan, quoi? Plus à chaque fois qu'il doit bouger, ça doit lui donner des aigreurs d'estomac au Léviathan, quoi. Oh, j'ai failli finir dans... J'ai fini dans l'acide du Léviathan. Non mais foutez-moi la paix. Donc là, revanche, bitch. Alors comme d'habitude, les gens attaquent celui de gauche pour récupérer les sphères. Mais sauf que moi, j'attaque toujours celui de droite. Et j'utilise Yamato sur ce combat parce que... Connard, parce que voilà pourquoi. Encore une fois, à cause de ces connards de... À cause de ces connards d'envie qui me font chier. Nique ta mère! Bon, c'est pas grave, de toute façon, il va les buter. Ok, si tu me butes pas avant... Parce que vous voyez, Yamato, ça fait quand même énormément de dégâts, quand même. Oh, vous faites chier, putain! Ah merde! Je pensais que t'allais faire le truc. Le problème, c'est que quand tu fais ça, je peux pas t'attaquer. Non mais c'est merde! À quoi servent ces créatures à part faire chier le monde? Oh!
Et là, en plus, c'est bon. Au moins, c'est facile à esquiver. Toi, ta gueule. Je suis pas prêt. Ah, il va réattaquer en repoussant ses miaulements au passage. Toi, dégage. Bah, c'est bien, je touche l'organe en plus. Mais... Parce que ce qui est sympa, c'est que l'ennemi me débarrasse des envies, donc ça me permet de me relancer sur des basses scènes. Voilà. Bon, le problème, c'est qu'il attaque avant que je lui marave la gueule. Allez, 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 on y est presque. Merci. Donc la belle revanche de la dernière fois, donc... Oh, rang S. Non. Oh, j'ai le rang S. Yes. Donc rang S, c'est le meilleur rang que vous pouvez avoir dans le jeu. Et je l'ai eu, quoi. Oh, putain, je suis content. Et en plus, en première, je vous le montre en première. Oh, je suis super content. Ah là, ça mérite que je fasse une vérif. Parce que là, franchement, là, je ne peux pas ne pas le garder. Parce que là, j'ai fait un rang S. Là, je suis super content de moi, là. Franchement, là, je suis très fier, là. Rang S. Je suis content. Très, très content. Et en plus, on est à la mission 9. Je crois que ça fait qu'une heure 10 de vidéo, donc tout va bien. De toute façon, je pense que je vais m'arrêter à la mission 8. Mission 10. On va faire comme ça, je vais vous faire deux vidéos et ce sera deux moitiés. Mission 1 à mission 10 et mission 11 à mission 20. On se fait comme ça. Tac, 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 tac. Alors, se faire dorer, ça sert à rien parce qu'en fait, ça, quand vous le prenez, en fait, ça vous ressuscite en plein milieu du combat. Donc, je crois que j'ai rien à acheter niveau action. Si, arme feu. Comme ça, je vais réaffronter les araignées. Les araignées qui sont peut-être un tout petit peu mieux qu'avec Dante. Mais ça reste quand même des grosses connasses quand même. Et du coup, désormais, comme j'ai l'arme au maximum, bah, du coup, je suis en train de spammer le bouton... comme il faut, connard. Je rappelle que quand vous avez ça, il faut activer le Devil Trigger. J'ai évité de trop le consommer. Oui, je n'ai pas acheté le Judgment Cut. Voilà, vous avez vu, cette araignée, elle est déjà morte face au terrible pouvoir de Virgile. Ouais, parce qu'en fait, ben, Virgile est ultra pété, donc du coup, les araignées crèvent plus facilement avec lui qu'avec Dante, quoi. Déjà, je le voyais avec Yagami, je voyais Yagami, il tue facilement les araignées avec Virgile. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je dois mal faire, parce que avec... les deux persos, j'avais toujours des soucis. Ben non, c'est qu'en fait, Virgile est bien fort, il est bien pété. Je suis désolé, les amis, mais je commence à avoir chaud, putain. Ouais, voilà. Vous voyez, comparé à Dante, j'ai perdu moins de temps avec ces saloperies parce que ben, Virgile.
Virgil, fuck hier. Donc là, l'énigme de la lumière, faut péter un chemin pour créer un chemin de lumière. Merci, Captain Obvious. Et que je me rappelle, je crois... Tac, 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 c'était... celui-là. Voilà. Un peu de mémoire dans ce monde de brut. Mais je pense que je vais vous faire comme ça, ouais. Je vais... Il y aurait normalement que deux vidéos de Virgile. Où en fait je vous ferai de la mission 1 à mission 10 et je vous ferai l'autre de la mission 1, 11 à la mission 20. Tu vas crever, merde! Voilà, Combo Breaker. Voilà, merci, toi tu die. Putain, les Léo, quoi, vous êtes des merdes. Enfin, moi, je les appelle les Gordon, vu qu'ils sont tous nuls à chier. Enfin, il n'y a que... Oh, connard! Mon damage run! Mon no damage run, connard! Donc là, je vous ignore. Donc là, du coup, pour ceux qui s'en rappellent plus, il faut aller vers la cascade pour continuer l'aventure. Enfin, pas tout à fait. Il faut d'abord aller ici. Mais je veux quand même voir s'il n'y a pas des... un truc de Yamato. Oh, il y en a que 3. Et voilà, nouvelle sphère bleue. Donc ça, c'est plutôt assez sympa, ça augmente ma santé. Alors, ouais, fallait s'y attendre parce que Virgin n'a pas le fusil comparé à... Pardon, à Dante. J'ai failli avoir un petit creux. Alors, on se rappelle ici que j'avais fait un monumental fail où j'avais foncé sur le machin sans faire exprès. Parce que là, franchement, le rang S durant la première, et surtout en difficile, on rappelle. Hein. Je ne m'y attendais pas du tout, et je suis quand même super content de vous l'avoir montré, quand même. Et pourtant, Dieu sait que je me suis pris des dégâts, quoi. C'est ça qui est débile, quoi. Je t'avais pas vu venir, espèce de saloperie, va. Voilà, Dayan, paix saloperie, et l'autre est mort aussi. Oh, you're boring me. Oh, connard! Oh putain, j'ai cru avoir un truc sur l'œil, mais rassurez-vous, tout va bien. La preuve, on est toujours en train de défoncer ces sales bêtes. Toi, descends. Ok, il y en a deux qui viennent de mourir, il n'y a que toi qui as survécu. Merde, pourquoi j'ai pas sauté ?
Et en plus, parfait, pile au niveau de la porte. Coucou, c'est pour vous dire que vous allez mourir. Voilà, merci. Bonjour monsieur, c'est pour vous dire que vous allez vous aussi mourir. Non mais franchement, Virgile est pété. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, derrière votre écran. Mais Virgile est pété, quoi. Le mec, il one-shot presque tout le monde. Là, j'ai l'impression de jouer en mode facile tellement qu'il est puissant, quoi. Bon, après, quand on va arriver à Arkham, je vais moins dire ce genre de choses. Et puis même face à Neven, je crains énormément parce que Neven, c'était une boss que je ne supportais pas. Oupla! J'ai un peu trop enfoncé vite, désolé, j'avais pas prévu à la base de me transformer, mais ça a fini en réflexe. Vous commencez à m'emmerder là! Oh! Non, mais tu pourrais pousser des cris un peu plus original quand même. Hein. T'aurais pu faire un petit chant d'opéra hein, quand tu souffles. Hein. T'aurais pu faire Shot l'anami! Oh! Bah, surtout qu'en plus que ça correspondrait bien au. Je savais même pas que tu pouvais faire un saut comme ça. Surtout que l'endroit où on va affronter Neven, c'est une ancienne scène de spectacle alors. Hein. Voilà, opéra noyé. Son de la bio. Donc, je vous conseille surtout Yamato pour... Hop là. Je vous conseille Yamato pour faire des dégâts, mais même si je pense que j'utilise plutôt Beowulf pour lui faire des dégâts avec un petit côté... non, c'est Pam. J'étais pas prêt! Bah, tu m'as complètement loupé. Là, mais j'avais même pas besoin de me transformer en fait depuis le début, quoi. Merde. Get ready. Oh t'inquiète, je suis prêt, je suis déjà en train de te défoncer là. Ok, j'ai foncé un peu trop vite là. Ah, cette attaque qu'on rappelait avec Yagami qui était complètement buggé dans sa version. Parce qu'en fait, il se prenait pas de dégâts malgré le fait qu'il sautait normalement. Donc. Nique ta mère, salope! Et mon rang est... Ok, je suis con. Oh oui, putain, je suis con! Je suis. Alors, on rappelle, plus elle a des chauves-souris, plus ses attaques font soit très mal, soit elles durent plus longtemps. Mais what? Mais j'ai sauté au bon moment! Jeu de merde!
Non, la blague! La sinistre blague! Ouais, mais ça aurait été cheaté si le round trip aurait marché. Mais t'imagines, tu fais le truc. T'imagines, le truc qui restait sur elle pendant le STP, ce serait pété quoi. Get ready. Tu sais que tu vas crever, Nevan, alors abandonne. Donc là... Oh mais con, tu voulais que j'esquive ça, c'était apparu quasiment sur ma gueule quoi. Donc là, à mon avis, elle va passer en mode du petit bisou. Oh, j'étais pas prêt, putain. Oh, t'es sérieux? Normalement, quand tu fais ça, tu tombes. Non mais... Cette attaque n'a aucun sens. Et ça se voyait que oh, je suis trop habitué à tenter, putain. On va voir Rambé. Si je crève pas avant, bien sûr. Bon, au moins la bonne nouvelle, c'est que quand... C'est que quand visiblement elle me chope et elle reprend ses patterns de base. You can't escape, on se croit. Ouais, fallait juste. Get ready! Ah! Non, elle refait son You can't escape. Parce que visiblement, je remarque qu'elle a beaucoup de problèmes avec avec Beowulf. Oh, j'y étais presque. Oh, j'étais pas prêt. Non, Beowulf. Mais arrête de me pourchasser, espèce de folle. Non mais vous savez, la convulsion sexuelle, ça se soigne, madame. Bon après, je sais que les vampires, que les filles vampires, c'est sexy, mais... You can't escape. Non mais la réplique est balance. Merci. La réplique est balance, quoi. You can't escape. Alex de Street Fighter 3 serait content, hein. Bon là, à mon avis, je m'attends à ce qu'on va avoir rambé, à mon avis. Pour l'instant ça va, c'est nul à chier, ça va. Ouais, je dirais Rambé. Ouais. Non, pas ma série de S, en fait, je m'en fous.
Donc dernière mission et je vais vous relâcher pour aujourd'hui. Franchement, ça se passe très bien, surtout qu'il est même pas 2 heures. Il est presque 2 heures. Qu'est-ce que je peux me prendre? Que Judgment Cut du coup. Ah, Judgment Cut level 2, à mon avis, il faut que je sois niveau 3 au niveau du style donc. Donc Judgment Cut, c'est exactement comme le round trip. En fait, si vous maintenez la touche triangle enfoncé, vous pourrez faire caméra. Ok, j'ai compris. Vous pouvez faire ça. Alors, si je m'en rappelle, si vous spammez triangle, vous pouvez en invoquer plusieurs. Ah non, ça, non, je suis con. C'est le Judgment Cut level 2 qui vous permet de faire ça. Non, toi, ta gueule. D'ailleurs, faudra, je pense, à racheter des objets pour Beowulf. Bon, toi, si tu veux crever, il n'y a pas de souci. Non! Pourquoi tu pars dans l'autre sens, crétin? Tu veux mourir? Il n'y a pas de souci, hein, je suis ton maître. Hein. Peut-être récupérer la sphère rouge qui est là-bas. Bon, j'arrête, ça peut énerver. Attendez, je me gratte la jambe parce que du coup, ça me grattait un peu. Ah, maintenant que j'y pense, j'étais pas allé par là, je suis con. Bah oui, niveau sphère, il me disait sphère rendez, bah pas étonnant. J'ai oublié cette zone. Je suis allé un peu trop vite, c'est pour ça. Donc là, on va accéder à la salle avec les espèces de boucliers dont leurs points faibles sont dans leur dos. Ah, attention que je n'avance pas trop vite parce que sinon je me connais, je vais me faire avoir. Donc là, on retrouve ces espèces de trucs qu'on peut toucher que par le dos. J'utilise Yamato contre eux parce que c'est beaucoup plus efficace. Bon, ben merci d'être passé. Hein. Franchement, les gars, merci d'être passé. Hein. À peine quelques secondes à l'écran, ils sont déjà morts. Ah oui, désormais, leur truc... Connard ! Leur truc tire même quand ils se font agresser. Pour ceux qui se rappellent plus, la flèche rouge, c'est ça, en fait. Non mais t'es sérieux là? Tu m'as loupé à cette distance? Non, ça c'est le truc que je vous parlais, c'est que si vous l'assommez pas, il vous le balance en pleine gueule. Pff, je pouvais rien faire, là. J'étais tellement dans mon élan.
Donc là, du coup, on va réaffronter les araignées. Et on s'arrêtera après parce que du coup, la mission sera terminée. Donc là, on va réaffronter les grandes araignées qui vont nous grandement faire chier parce qu'ils ont une résistance de fils de pute. Je pouvais rien faire. Saloperie. En fait, avec Virgile, tu favorises beaucoup les attaques. Parce qu'avec Dante, ce qui était très dangereux, c'est que t'avais beaucoup d'épées. Mais heureusement, je sais quoi faire. Il y a une sphère verte tout en haut. Par contre, super la sphère verte. Surtout la grosse, surtout qui fait chier, surtout parce que elle est tellement résistante. Ah bah elle est morte. La sphère blanche qui me sert à rien, mais merci quand même. Bon là, je m'attends, bah oui, qu'on aurait encore d'autres clientes. Parce que ce jeu adore me troller par pure nécessité. Tu fais chier, toi. Vous n'êtes qu'un tas de merde, vous êtes que des tas de merde. Bah, de toute façon, c'est un peu normal que c'est des tas de merde, ça ressemble à des merdes. Alors attendez, ne quittez pas, qu'est-ce que c'est que ça? Intéressant. Alors ne quittez pas, je reviens. Donc excusez-moi de cette interruption spontanée, c'est qu'en fait j'avais reçu un message concernant... Mais c'est pas vrai. Bon, heureusement que je passe le truc, c'était une offre spontanée pour une visite de poste. Donc c'est pas tout à fait encore pour un emploi, mais peut-être que soit ça se libérera. Que ça se libérera, mais... Parce que du coup, ce genre de visite, ça va me permettre de poser une idée dessus, donc... Attention, surtout que j'ai très peu de santé, je rappelle, même si j'ai tué la grosse. Bon, il est mort. Enfin, elle est morte, c'est une araignée. Bon, au moins, pour sur cette vidéo, des flèches. On n'est pas mort une seule fois. Et donc, faut savoir que Dante n'est pas le seul à aimer le football, parce que vous allez voir que... Virgile aussi aime beaucoup le football. Mais attention! Goal! Et donc du coup c'est bon, la mission 10 va s'arrêter là et on va finir cette première dessus qui ma foi, franchement, pour vous dire la vérité, je pensais pas du tout déjà qu'on aurait atteint la mission 10 facilement, mais surtout qu'en plus que ça s'est plutôt bien passé au final. T'as rang S malgré le fait que j'ai eu pas mal de trucs, rang B je dirais. Non, rang A. Ah, je veux voir un truc. Ah déjà... En espérant que je fasse pas de con, je sauvegarde.
Ouais, c'est plutôt sympa. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 rangs A, 3 rangs B et surtout le rang S. Magnifique le rang S. Je suis super content de mon petit rang S. En tout cas, pour l'instant, c'est plutôt potable. Je fais quand même une run plutôt potable. Voilà, c'était la run DMC3. J'espère qu'elle vous aura plu. La prochaine fois, on reviendra pour tenter de finir le jeu. Donc, on verra si on réussira. Du premier coup et en déflesse. Je tiens à vous rappeler que j'ai fait un déflesse pour l'instant. Et du coup, ben, on se retrouvera pour la suite. Allez! Je sais que j'arrête à moitié un peu en mode rapide, mais du coup, je vous dis ciao, bye bye. On se retrouvera plus tard pour la suite et du coup, fin de la run Vergil.